Battiore speaks to us tonight not simply as an outstanding academic. Mais Battiore s'adresse à nous ce soir pas simplement en tant qu'académique extraordinaire. She speaks also as a Jew who was forced to leave her home in Egypt. Elle parle également en tant que juive qui a été forcée d'abandonner sa maison en Égypte. And who arrived in London as a stateless person. Et qui est arrivée à Londres comme étant une personne sans état. Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis très reconnaissante à Christian Solidarity International pour m'avoir invitée à discuter avec vous ce soir d'un sujet dont les implications humaines, morales et politiques sont considérables pour l'Europe et pour l'ensemble de la chrétienté. Permettez-moi tout d'abord de vous donner un rapide survol historique sur les chrétiens du Moyen-Orient, c'est-à-dire les populations les plus menacées par la dhimmitude aujourd'hui. Je reviendrai plus tard sur ce mot de dhimmitude pour bien vous l'expliquer. Tout d'abord, ces communautés chrétiennes sont hétérogènes. Elles sont le reliquat de groupes ethniques qui se convertirent au christianisme avant l'invasion islamique 6 siècles plus tard. Leurs racines sont soit juives, soit ce sont des communautés juives en Irak, en Syrie, en Égypte, ailleurs, qui se sont converties au christianisme, soit leurs racines sont païennes. Parmi ces églises, donc, qui sont ethniques et qui sont bien enracinées dans l'histoire du Moyen-Orient, on peut citer les Grecs orthodoxes, héritiers de la culture et de la civilisation de l'Empire byzantin, l'Église copte, héritière de la civilisation millénaire pharaonique, l'Église araméenne ou syriaque d'Irak, qui se développa parmi les communautés de Syrie et d'Irak, donc, et qui se développa aussi beaucoup parmi les communautés juives déportées des royaumes d'Israël et de Juda au 6e siècle avant notre ère. L'Église, on peut aussi citer l'Église arménienne, l'Église maronite, l'Église nestorienne d'Irak et d'Iran. Cela vous donne donc un panorama géographique énorme de ces populations chrétiennes qui avaient toute une culture très développée à l'époque de l'invasion islamique. Entre le XVIIe et le XIXe siècle compris, la plupart de ces églises, pour échapper à la persécution de la dhimmitude, se subdivisèrent en églises rattachées à Rome ou à diverses dénominations protestantes. Ainsi, elles pouvaient être protégées par des États européens ou par le Vatican. Tous ces peuples anciens ont conservé leur caractère ethnique dans leur liturgie, leurs annales historiques, leur langue ancienne et leur mémoire. Ces peuples et leurs civilisations, très élaborées, très développées, sur le plan de l'art, sur le plan également de la littérature, des connaissances scientifiques de l'époque, ces peuples et leurs cultures seront balayés par l'invasion islamique au 7e siècle, par le djihad, suivi par une période de chaos et de guerre entre clans arabes, qui nous rappelle ce que nous voyons malheureusement aujourd'hui dans ces régions, au Levant, en Syrie, en Irak. À partir du 8e siècle, et après une émigration très importante de tribus arabes dans ces pays, à partir du 8e siècle, le système de la dhimmitude s'élabore et conduit, c'est ce système, du fait de son oppression,
parfois insupportable, qui a conduit à l'islamisation de ces régions. Au XIXe siècle, l'Europe réussit à faire abolir la dhimmitude dans certaines régions, pas toutes, dans tous les cas, dans l'Empire ottoman, mais non pas dans en Afrique du Nord, par exemple, ou en Iran. L'abolition de la dhimmitude dans ces régions a conduit au massacre, sur une très grande échelle, de chrétiens qui étaient ainsi punis de leur émancipation, parce que l'abolition de la dhimmitude représentait l'émancipation de ces populations juives et chrétiennes dans les pays musulmans. Ces pays leur reconnaissaient plus ou moins un statut d'égalité avec les musulmans. Et cela a conduit à des rébellions très violentes, surtout contre les populations chrétiennes, qui essayaient de s'émanciper de leur statut d'abjection. En fait, les peuples musulmans n'ont jamais accepté l'abolition du régime de la dhimmitude et ils s'efforcèrent, après la décolonisation et le reflux européen des pays colonisés, ils s'efforcèrent d'une façon ou d'une autre de rétablir les règles essentielles et fondamentales de la dhimmitude. Je vous donnerai quelques explications préliminaires sur le mot dhimmitude et le sens que je lui ai donné, afin que nous puissions comprendre ensemble de quoi nous parlons et la nature de ce sujet. J'ai créé le mot dhimmitude pour désigner un système particulier qui unit la théologie islamique, la politique musulmane, la juridiction musulmane et les coutumes sociales. Parler ou étudier la dhimmitude, c'est examiner un ensemble cohérent qui est exprimé sur des textes historiques, dans des archives, et que l'on peut étudier sur place dans le comportement des gens et les lois. C'est un ensemble de données très complexes qui concourt à former une civilisation que j'ai appelée la civilisation de la dhimmitude. Connaître les éléments de cette civilisation nous permet d'évaluer plus ou moins leur solidité, leur extension géographique et surtout leur pérennité. C'est l'objet même de notre rencontre aujourd'hui. Quel sera l'avenir de la dhimmitude? Est-ce que la dhimmitude existe? Est-ce qu'elle va se développer? Quel sera l'avenir pour les populations chrétiennes des pays musulmans? Je vous donne tous ces détails parce que mes contradicteurs affirment que le système de gouvernement islamique, théologique et militaro-politique de la dhimmitude n'existe pas. Donc tout ce que je vous dis est faux et que j'invente des complots. Selon eux, les politiques oppressives contre les chrétiens n'obéissent pas à des lois que l'on peut observer, dont on peut voir le développement et l'origine dans les textes historiques, mais que ces lois oppressives surviennent par hasard, de la faute des chrétiens. Ils se sont mal comportés. Elles n'ont pas de lien entre elles. Et ces malheurs arrivent de façon imprévisible. Dans cette vision, l'homme devient le sujet d'un chaos qu'il ne peut comprendre et il ne peut avoir aucune prise sur son destin. Mais si nous croyons en la réalité de la dhimmitude, c'est que nous pouvons la reconnaître et anticiper
ces développements. Et par conséquent, nous pouvons agir par notre volonté sur les événements et nous pouvons soulager les victimes qui souffrent justement du retour ou du développement de l'indimitude. Il est donc très important, si nous voulons avoir une action sur notre destin, si nous voulons aider les victimes, il est très important que nous connaissions l'indimitude et que nous sachions la reconnaître. Quels sont aujourd'hui les signes de l'indimitude? Eh bien, l'indimitude, c'est la conséquence du djihad. Le but du djihad est d'imposer la charia sur les terres conquises et islamisées dans ce but. Et la dimitude qui est imposée aux populations conquises, qui ne sont pas musulmanes, c'est la raison pour laquelle elles sont conquises, ces populations doivent être soumises donc à ce système de dimitude, car il est intégré dans la charia. Donc le but du djihad, c'est d'imposer la charia sur les terres conquises non musulmanes. Aujourd'hui, nous voyons les groupes djihadistes opérer sur divers fronts, en Asie, en Afrique, en Amérique, en Europe. Le djihad explose partout. Au Proche-Orient, plusieurs guerres sont imbriquées, plusieurs guerres djihadiques. Donc nous devons comprendre le but du djihad, c'est imposer la dimitude. Les guerres qui sont qui se déroulent maintenant au Proche-Orient sont nombreuses. Ce sont des guerres djihadiques. Elles ont différentes causes. Il y a les guerres entre tribus arabes, entre différents clans, qui utilise un vocabulaire du 7e siècle, de l'époque des grandes conquêtes. On voit qu'il y a un décalage énorme entre le siècle, le 21e siècle dans lequel nous vivons ici en Europe, en Occident, et ces tribus arabes qui se combattent pour pouvoir contrôler un certain territoire et pour pouvoir et parce que ils accusent les autres tribus arabes et musulmanes de n'être pas assez religieuses, de ne pas observer la charia d'une façon comme eux voudraient l'avoir observée. Donc, ces tribus sont considérées comme des apostats. Et dans la loi islamique, le sort des apostats est encore plus cruel, plus sévère que celui des non-musulmans, les populations soumises à la dimitude. Donc, nous voyons ces guerres extrêmement cruelles qui provoquent énormément de souffrances, aussi bien pour les musulmans que pour les chrétiens. Nous voyons donc que ces guerres sont menées pour imposer une interprétation encore plus rigide de la charia. Nous voyons les guerres entre chiites et sunnites, dont l'origine remonte au début de l'islam en Irak, au Liban et en Syrie, et qui se réfèrent à des combats au 7e siècle, entre Mouaviya, le fondateur de la dynastie des Omayyades, et le calife Ali. Donc, il semble que le temps se soit arrêté dans ces régions. Il y a également des guerres en Irak et Syrie entre sunnites et kurdes. Les musulmans sunnites accusant les musulmans kurdes de ne pas être assez musulmans. Il les appelle des athées, des apostats. Il y a aussi des guerres pour détruire les entités nationales héritées de la colonisation afin de recréer le grand califat
qui contrôlerait l'ensemble des pays islamiques et dont le siège du califat, serait à Jérusalem. Autrement dit, les églises de Jérusalem seraient rasées. Alors, ceci apparaît, cette déclaration, donc, de recréer le grand califat, de restaurer la charia, d'imposer le siège du califat à Jérusalem, apparaît dans les statuts de l'organisation de la coopération islamique qui réunit 56 pays musulmans, qui est une organisation extrêmement puissante et qui collabore à plusieurs niveaux avec l'Union européenne, l'Amérique, l'Occident. Et donc, c'est dans ces statuts que la volonté de restaurer la charia comme elle le fut à l'époque du califat, autrefois, au 7e siècle, 8e siècle, et restaurer, détruire les divisions nationales, comme par exemple la Syrie, la création de la Syrie, de l'Irak, du Liban, de l'Égypte, et supprimer tout cela afin de recréer un grand califat mondial. Et ceci, ce but, c'est le but du groupe rebelle djihadiste qui s'intitule l'État islamique d'Irak et de Syrie. Un groupe rebelle islamique qui est soutenu par l'Europe et par l'Amérique. Ce sont des combats religieux inter-musulmans, mais pour établir un ordre islamique de la charia et la dhimmitude pour les non-musulmans. Et dans ce contexte, on parle, les non-musulmans sont les chrétiens, puisque les juifs ont émigré de tous ces pays et ont été expulsés. En Égypte, sous le régime de Moubarak, les Coptes étaient toujours opprimés. On enlevait énormément des filles coptes, des jeunes filles, on les convertissait de force. Souvent, on les violait, on les obligeait d'épouser des musulmans pour ensuite les déclarer musulmanes. Les Coptes ne jouissaient pas d'une égalité avec les musulmans. Ils ne pouvaient pas rétablir, ils ne pouvaient pas construire de nouvelles églises, ils ne pouvaient pas les peindre, ils ne pouvaient pas les restaurer, ils n'avaient pas les mêmes droits professionnels. Et bref, ils étaient soumis à de nombreuses règles héritées de la dhimmitude. Donc, en Turquie également, les lois discriminatoires de la dhimmitude continuent à exister d'une façon ou une autre. Par exemple, les confiscations des terres de monastères assyriens qui datent du 4e siècle, donc avant l'époque islamique, comme celui, par exemple, le monastère de Mardin, et les ennuis qui sont créés au patriarcat grec orthodoxe témoignent de la pérennité du statut chrétien inférieur dans les pays musulmans que l'on pourrait considérer comme les plus évolués. Ces guerres que nous voyons aujourd'hui en Orient sont menées selon les règlements du djihad et non selon le droit international moderne régissant la guerre. Nous vivons par conséquent dans ce contexte-là du Proche-Orient, nous vivons véritablement au 7e siècle, dans le contexte du 7e siècle, le contexte du djihad. Et c'est pourquoi nous voyons les populations civiles, et là je parle des musulmans aussi bien que des chrétiens, des populations civiles, femmes, vieillards, enfants, qui sont prises en otage, ou victimes d'attaques terroristes si elles appartiennent à un clan ou à une tribu
ennemis, considérés comme ennemis. Les lois modernes humanitaires qui protègent les civils ne s'appliquent pas dans le djihad. Elles ne sont pas reconnues par les fondamentalistes, par les islamistes. Les instances et les instruments juridiques non conformes à la charia ne sont pas reconnus, ne sont pas acceptés. Et ainsi, on peut dénommer environ 140 000 morts déjà, des millions de réfugiés et un nombre incalculable de blessés parmi des populations civiles et qui ont été mêlés dans ces guerres entre clans rebelles. Les conséquences des printemps arabes ne sont pas partout identiques. Les pires excès se manifestent dans les pays où le système des clans et des tribus s'est maintenu depuis le 7e siècle, malgré les efforts des colonisateurs de créer un sentiment national qui pourrait unir ces populations au lieu de maintenir les divisions hostiles entre les différentes tribus. En Irak, les divers clans qui se combattent se proclament appartenir au clan des Thaïs ou des Tamims, c'est-à-dire des tribus arabes qui ont envahi ces régions habitées par des chrétiens, des juifs, des zoroastriens. Ces tribus-là sont arrivées d'Arabie, du Yémen, de différentes régions de la péninsule arabique au 7e siècle. Et jusqu'à maintenant, les Arabes qui vivent dans ces régions se réclament de cette appartenance ancestrale à ces tribus. Quand le groupe rebelle, qui s'intitule l'État islamique d'Irak et de Syrie, s'est emparé d'une grande ville au nord de la Syrie, la ville de Raqqa, que l'on trouve souvent mentionnée dans les chroniques chrétiennes du Moyen-Âge, eh bien, il s'est empressé d'imposer aux chrétiens les lois de la dhimmitude exigées par la charia. Et nous sommes au 21e siècle. Il a exigé des chrétiens le paiement de la jizya. Alors, là, je dois vous expliquer rapidement ce que c'est que la jizya. Dans l'idéologie djihadique, le monde est séparé en deux parties, éternellement hostiles, les musulmans et les non-musulmans. Les non-musulmans vivent dans une région qui s'appelle le Dar el Harb, les pays de la guerre, parce qu'il est obligatoire pour les musulmans d'y faire la guerre pour y imposer la loi islamique, la charia. Donc, ces populations, en fait, quand elles sont conquises par les armées arabes, elles ont le choix. Soit elles se convertissent à l'islam, elles ont des droits égaux à ceux des musulmans, soit, si ce sont des juifs ou des chrétiens ou des zoroastriens, elles peuvent conserver leur religion à condition de payer une taxe, la jizya, qui est une taxe coranique et par conséquent obligatoire, qui ne peut pas être abolie, et se soumettre à toutes les règles de la dhimmitude que l'on trouve dans la charia. Alors, qu'est-ce que cela signifie? C'est très important de comprendre, parce que ce n'est pas... on a souvent comparé la jizya à la capitation. Mais la capitation en Occident, c'est une taxe individuelle qui n'est pas sacrée, qui n'a aucun caractère religieux et qui peut être abolie, qui peut être contestée. Ce n'est pas le cas de la jizya qui est mentionnée dans le Coran. Et comme le Coran est la parole incréée de Dieu,
on ne peut rien y changer. On ne peut pas le critiquer et on ne peut pas le contester et on ne peut pas y changer quoi que ce soit. C'est très différent de la Bible, puisque la Bible est un livre créé et écrit à différentes époques. Mais le Coran est un livre incréé et révélé. Donc, on ne peut rien changer. Alors, la jizya donc ne peut pas être abolie, bien qu'elle ait été abolie. Elle ne peut pas être abolie dans un régime islamique, et cela signifie que c'est grâce au paiement, ça s'appelle en fait une rançon, le rachat de la tête. Donc, grâce au paiement de la jizya, le musulman ou le juif rachète son droit de vivre. Autrement dit, le droit de vivre n'est pas un droit imprescriptible qui appartient à la personne au moment où elle naît. Ce droit de vivre lui est concédé par le calife, par le droit islamique, en échange d'une rançon. Merci. Donc cela est un élément très important qui explique aussi le statut de terreur dans lequel ont vécu les dhimmis, les populations donc soumises aux règles de la dhimmitude, car souvent, sur des prétextes quelconques, on pouvait leur retirer ce droit de vivre, comme par exemple maintenant au Pakistan, quand par exemple les chrétiens sont accusés d'avoir blasphémé. Le blasphème est une raison donc pour tuer le blasphémateur. Et comme au Pakistan, le chrétien ne peut pas témoigner contre le musulman, si un musulman l'accuse d'avoir blasphémé, eh bien, on le met à mort. Et ces accusations étaient portées très souvent à l'égard, à l'encontre des chrétiens ou des juifs. Si on voulait s'emparer, par exemple, d'un bien, comme cela arrive maintenant au Pakistan, on veut s'emparer de la vache ou de la maison du chrétien, on l'accuse d'avoir blasphémé. Donc, ces accusations étaient faites très souvent. Et donc, ces dhimmis vivaient dans un état de terreur et de vulnérabilité extrême. Alors donc, cette jizya est exigée des chrétiens de Raqqa sous cet état islamique d'Irak et de Syrie, qui s'est installée là, elle est exigée exactement comme on le faisait au 7e siècle. C'est-à-dire, elle doit être payée deux fois par an et elle est graduée selon les possibilités de paiement. Si c'est un riche, alors il paye 4 dinars. Si c'est une personne, un homme de moyennement fortuné, il paye 2 dinars, et si c'est un pauvre, il paye 1 dinar. Donc c'est le retour du 7e siècle. À cela s'ajoutent les autres éléments fondamentaux de la dhimmitude, qui sont l'interdiction de construire ou de rénover les églises et les monastères, qui ont toujours existé en Égypte, même sous Moubarak. L'interdiction de montrer les croix et des symboles chrétiens en public, l'interdiction de sonner les cloches, de lire à voix basse des prières, l'obligation pour les chrétiens de lire leurs prières à voix basse pour ne pas importuner les musulmans qui sont à l'extérieur des églises. Enfin, il leur est également interdit de montrer des signes extérieurs de leur culte, comme par exemple des funérailles publiques ou bien des cérémonies des religieuses publiques. Tout cela leur est interdit. Il leur est interdit aussi de dire n'importe quoi qui offenserait un musulman. Et donc,
nous voyons donc ici que ces mouvements rebelles djihadistes le font pour imposer la dhimmitude, et on voit quelle est la dhimmitude, on ne peut pas la nier, pour imposer la dhimmitude aux chrétiens. Alors, on doit également savoir que les guerres djihadistes ont plusieurs parrains et bénéficient de soutiens financiers importants. Ces soutiens proviennent de cette organisation de la coopération islamique, un corps constitué très important, donc musulman, constitué de pays musulmans ou à majorité musulmane, qui a une majorité, automatique à l'ONU, qui influence des organisations internationales telles que l'ONU, l'Alliance des civilisations et l'Union européenne, par exemple. Et donc, cette organisation donc, soutient ces mouvements djihadistes et également, comme je vous l'ai dit, et ce qui est surprenant, c'est que l'on voit des pays occidentaux, dont l'Amérique, qui soutiennent, soi-disant au nom des droits de l'homme, qui soutiennent les partis rebelles de djihadistes qui veulent imposer aux chrétiens la dhimmitude. Aujourd'hui, il y a un tel chaos dans ces pays qu'on ne peut prévoir l'issue des combats. Mais il est clair que la victoire des groupes djihadistes ramènera les formes extrêmes de la dhimmitude, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc nous assisterons à l'exode des populations chrétiennes de leur berceau historique. Mais quel sens cette disparition aura-t-elle pour l'Europe, pour nous? L'Europe perdra davantage sa mémoire historique, son identité, avec la perte de ses racines qui seront islamisées. Elle portera les conséquences de son indifférence à ces drames humains, car ils se répéteront ici même en Europe si nous ne sommes pas prévenus, nous ne faisons pas attention à ce qui se passe chez des populations sœurs, victimes de ces mêmes, guerres, de ces mêmes préjugés et de ces mêmes violences. L'Europe assistera-t-elle impuissante à l'ensevelissement d'une grande partie de son histoire et à une très grande tragédie historique et humaine qui la touche personnellement, mais qu'elle a voulu volontairement ignorer. Je crois que l'une des causes de cette impuissance réside dans la négation de la dhimmitude. Quand on nie délibérément une réalité aveuglante, on ne la voit plus, on ne la comprend pas et on ne peut comprendre une chose qu'on dit ne pas exister. Le seul moyen de combattre la dhimmitude, qui, je dois vous le dire, d'après moi, existe déjà en Europe et aux États-Unis, donc pour combattre la dhimmitude qui éliminera la civilisation judéo-chrétienne, il faudrait la reconnaître et la dénoncer. Il est très important de la dénoncer. Il est très difficile pour chacun de vous, des personnes indépendantes, de pouvoir comprendre tous ces éléments, l'ensemble de ces éléments, de pouvoir combattre ce qui se passe très loin ailleurs, surtout quand les politiques
sont hostiles à ce genre de, à ce genre d'attitude favorable aux victimes chrétiennes, mais aussi aux victimes musulmanes, parce que, comme je vous l'ai dit, les victimes sont aussi musulmanes. Et peut-être les plus grandes victimes sont musulmanes. Les plus nombreuses, pardon. Et je terminerai sur une note optimiste. Dénoncer la dimitude nécessite d'abord la connaissance de ce qu'elle est, de ce que c'est ce système, pour pouvoir le reconnaître. Ensuite, ça nécessite aussi une organisation, parce que la voix de l'individu ne porte pas très loin. Mais ces printemps arabes nous ont révélé, et ce sera ma conclusion, une conclusion optimiste, c'est que des populations musulmanes elles-mêmes se sont battues avec beaucoup de courage, ont accepté les sacrifices du combat pour pouvoir instaurer la liberté et la démocratie dans leur pays. Le fait que le mouvement fondamentaliste a été, des frères musulmans, a été refusé, rejeté en Tunisie, et que la Tunisie s'avance dans un chemin de modernisation, d'ouverture, et le fait que l'Égypte a rejeté le gouvernement des frères musulmans de Mohamed Morsi pour, au contraire, reconnaître l'égalité des hommes et des femmes, essayer justement d'ouvrir cette société musulmane à la démocratie, est un signe très encourageant. Et je suis sûre que nous aurons, si nous avons le courage de parler de tous ces, de la dimitude et du malheur des chrétiens, dont eux-mêmes ne peuvent pas parler, parce que s'ils en parlaient, on les tuerait, étant donné qu'ils sont des otages là-bas. Donc, si on pourrait en parler, eh bien, on pourrait ouvrir les yeux des musulmans, dont la plupart ignorent cette réalité. Ils ignorent la réalité de la dimitude, ils ne la connaissent pas. Ce sont des choses très compliquées à savoir. Donc, on pourrait donc, de cette façon, encourager une ouverture générale, de toutes les religions contre l'oppression, une oppression djihadiste, une oppression de l'être humain qui détruit le sens même de la nature humaine, puisque l'homme, nous le savons, parce que nos écritures nous le disent, l'homme et tous les hommes sont égaux, ils sont tous créés à l'image de Dieu, donc ils sont tous égaux, ils sont tous sacrés, puisqu'ils ont cette image de la divinité en eux, et comme nous croyons aux 10 commandements, nous croyons qu'il est à l'interdiction de tuer l'être humain. Donc il est important que nous fassions, essayer de faire rayonner ces valeurs dans les lieux où elles n'existent pas. Nous devons défendre la sacralité de la personne humaine, quelles que soient ses croyances religieuses ou autres. Je vous remercie.